yewul pop mingi naaj yo xamne bokku na ci ñi waral mbir mi yop africulture urbaine def la ko lo ak ci pop lool ku ko waxon demb ne dina mësa am lu bari duñ ko gëm déjà waaw ñi xamul ñoom duñ ko gëm mais ñi xam deugantal sama relation ak fu mala déjà entre yu bataillon blindé ak BMJ ça date de très longtemps entre Yukunku ak Africulture début Africulture première édition fait ça 2 ans malal mo ñu jox sonorisation jox ñu caméra jox ñu matériel ay platine pour ñu mëna def première édition donc ñi xamul ñoy xalaat lool mais le colo bi lu yag la bien avant ñi am ay structure avant ji hip hop di taxaw avant hip hop Africulture di taxaw et buñ ko gissé tay nak mu nekk peut-être na am ñu mu jaaxal mais ñi nga xamne xam nañ deug du len jaaxal initiative bi pour jappalé ay jeunes talent donc ci benen fan bu dul rap kessé waaw parce que biñi sos Africulture franchement ñewuñu pour top rek li fi gaay daan def créer label produire ay artistes dañu dem gis am expérience par rapport ak sunu ay voyage xam li manké ci hip hop bi li nga xam ni bu rap bu ko amone ñun buñ ko amone jamono joy kon parcours biñu def dina gëna gaaw wala dina gëna set wala dina gëna egg fa gëna kawé donc ñu gis ni lolu dafa manki ci pop gal sen ñu ci côté bobu lañuy liguey ñu créer Africulture mu nekk lu compliqué ci nit ñi nak parce que duñu label de production structure lañu bo xamné dañuy xol fi nga xamné amna ay manquement problème yi nekk ci hip hop bi ñu xol lan lañuy trouver des solutions problème bi ci ñëk moy amateurisme total biñ daan démé il fallait professionnel il est gérer les artistes mais pas les artistes seulement mais artistes dafa am staff dafa am lu xoy lu mu xoy accompagner ci image ma ci lepp mais ñoñu buñ nekkul ay professionnel artiste bi day jafé pour mu égg ci niveau professionnel bu kawé donc très tôt on a compris fan lañu wara jaar ban yoon lañu wara jëm ak lan lay mëne suñu mission ci hip hop bi te li c'est que ce n'est que le début parce que objectif bi deugantane xaji guñu bañ ba koy atteindre mais nak sa fait ñu ngi ci yoon bi mais est-ce que xel dal na par rapport ak génération bu bess bi ak hip hop ci par rapport ak activité bi buñu défé ben demande appel à candidature ci internet ñu am plus de 300 inscrits ñu ci fekk 100 lañu wara jël on a pris 117 ça veut dire que demande mi ngi fi bu fekké ni dañu wax flow ñu am presque ay 1000 inscrits ça veut dire que ni demande bi ngi fi jeunesse bi la jeune génération ils ont besoin de li ñi def ni soxla lañ ko trop parce que mu ñu won jël 300 et on a éliminé 200 té amna ñoo xamni yeguñu ko donc la nouvelle génération je pense que ni change ak opportunité bi ñu am moy ñu am ay nit yo xamni ci hip hop bi la ñu évoluer ba égg ci benn niveau xalaat ñom yoon bi ñu jaar ak ni mu discuter ak besoin yi ñu amone te gis ñu ko ñu jëm leen ko indil jox leen ko parce que nous on avait pas cette chance là et ñu gis ni nak ci kafane yépp la ba ci animation radio audio a vu ñu ko jëm il a fait des formats joxe et te nit ñi dañ ko def ak plaisir plaisir pour transmettre connaissance bobu nga xamné am lañ ko donc jeune génération bi war lañ mëna am yaakar ci ñom parce que nak amuñu lay amuñu ben argument boudé structure ñi ngi fi boudé des formations ñi ngi fi boudé lepp mi ngi fi talent nak nit mën na ko am don mais nak lila yobbu ci kanam professionnalisme la mo koy yobbu ok après formation bi lan moy nek suivi wu nga xamné ñom ñoo ci jotté genn après formation bi ñun par rapport ak suñu ay projet li projet pilote la parce que 15 jours mu ci def formation mais dañuy wut ay parce que formation ça coûte très cher motax formation yi ñi koy def bu doon dañ koy fay duñ am njëgi parce que dañuy ça coûte cher dañuy wut ay partenaire jëm leen la wax suñu vision suñu objectif ak li ñuy liggéey ñom bu cadré ak ñom seen li ñu bëgg ñu accompagner ñu ci formation yi ça c'est un projet pilote mais d'ici 2020 inshallah projet bi Sénégal Talent Campus dañ koy taxawal formation yi dina gëna guddu matière yi ñuy def formation yi tamit dinañ gëna bari ñi ñu recruter tamit ci ay jeunes dina gëna bari donc on va vers ça et lolu objectif moy dem ba am une école bo xamné nak les gens vont voir pouvoir dugg ci vraiment ak temps bu doy def formation ci nouveau métier yi nga xamné métier yu bess yu jëm ci audiovisuel ak lepp lu informatique
ak digital ñu def formation yo parce que lolo intéressé jeune ñu mën nañ ci former ba nga xamni buñu paré formation dinañ mëna autonome pour dem défal ñu créer sen propre emploi ñom sen bop buñ tok ak yow ta duñ la laaj sa ak dalte yow en tant que matador ma ngi préparer album bi ci liggéey ñi ngi waja finaliser et inshallah février inshallah bu soobe yalla bu fi yalla baye bëgg na jëne album bi c'est du trap traditionnel ak du trap bien mélangé avec des instruments et des instruments tissus j'ai album bi ma liggéey ci def ci ay featuring vraiment ñok public bu pour ñok xaar ko duma ne nak damay jëne lu ak lu kenn mësa jëne mais je vais sortir ci facette bo xamni peut-être amna yo xamni nit ñi xalaatu ñu won matador dina def featuring ñoñu wala bu ne ci musique mais ça va rester hip hop à 100% waaw donc buñ waxé aussi matador wax BMG mais à quand ben son même boudé ci ben son kessé BMG ancien wala Black Movement Gang ben son waaw xama lolu mënuma ni suba la wala ginaaw suba la parce qu'on est vraiment séparé par la ak distance yi ñen ñi rabatu Omar rabatu ci dima xam Mokhtar gën na ko dégg mu wax wax hip hop il est dans d'autres trucs mais manu aussi il n'est plus carrément à 100% dans le rap Fatima fi nek donc vraiment c'est quelque chose que bo xamni man lumay def day nek lo xamni day nek lu naturel mu ñew ñu door ko mu daalo et moi je suis un rappeur même ils ont choisi de faire autre chose comme travail ça c'est mon travail je le fais ak actualité bi maintenant buma démé ba retraité comme ñom ñu xéna ñu dajé def ben affaire pour dégal ancien fancy mais bon je veux dire man mi lol do na def plaisir top quoi parce que à part relation amone ci liguey et c'était une famille on est des amis am nañu relation yu upp doole rabbi parce que tay ba tay ñu ngi déggeunte ñu ngi sék ay relation yu rafet quoi matador bir charo est-ce que mu ngi gis talent yu bess yo xamni lén na li mu ñu jël relève BMG ay talent ñi ngi charo ñi ngi partout ñi ngi fepp et yalla daf ñu natu ñu sumbu lo xamni mënatu ñu ni charay wala pikine wala geejaway ñu ñu défé flow Sénégal yépp la ëmb té talent fepp la nek ligéyal mi wax mu rek moy tax nak nit ñi di rawanté et à charo ya des talents et bientôt ya un jeune que am nga xamni am nañ espoir ci mom bu baax Manji il va bientôt sortir en décembre et on va l'accompagner inshallah mais man dama japp né Manji wala One Lyrical wala kenen ils sont au même pied d'égalité à mon niveau c'est des jeunes frères qu'on doit accompagner pousser xam ñom tamit ñom dañu wara bay sen war ci war tol ci war ci tol bi parce que ñom la jeune yi di déglu ñom la jeune yi di top ñom la jeune yi gën na bay lop kon ñom tamit dañu conscient que ni am nañu mission bo xamni tay du sama mission lolu moy sen mission ñun suñu mission moy li ñu nekk di def ni ces formation là ak xex lo xamni hip hop dafa mësa raflé ñu am ko tay actualité dëkk bi bo jëlé jappal Aline Sall tay nga wax affaire phobie ay affaire bougazile ainsi de suite ak dëkk bi daal mu doxé ni actuellement un mot matador la la koy tënké wa limay tënké lolu moy ni le pays tout ça va mal dans ce pays parce que nak lolu war nañ ko mëna dégg ci ku nekk ku ba mu dess yo xamni ñoy représentant au peuple bi nek assemblée ay ci sunu ay autorité ça veut dire que ni leur est grave da am lo xamni dañu jappone xex nañ ba mu nekk suñu ginnaw te ñu xexando ko ak Macky Sall mom mu daan tew gis ni nit ñi daan wacce ci mbedd mi ay bakkan dess ba mu ay bu excès ci pouvoir ñuy gisat yu melni vraiment mom ci bopam bu toge ak bopam nekkon ñi ngi fi amna yo xamni duñu mësa nangu mu jall waaw lolu mom nako xam ko